J'ai une super belle recette de savon lessive. Là, on va avoir une formule extraordinaire pour aller dans la lessive. Parce qu'on est habitué aux odeurs. C'est ça. Approuvé par Jacinthe. Ça pue pas, ah, oui. Moi, j'en ai une qui sent pas les odeurs. Jacinthe approved. On l'a dans le livre, hein? Il y a de la lavande avec des agrumes de l'eau. Moi, je soumets des positions de sel comme si je veux celui-là. Il est écrit dans mon livre. Non, ça lave pas. C'est un effet... Ça aromatise vos vêtements. Mon savon à lessive, ça les désinfecte. C'est, mettons que vous avez des débarbouillettes, vous avez des serviettes, bien, il peut s'accumuler des bactéries. Si vous avez, les savons liquides dans lessive ne sont pas toujours antiseptiques comme on voudrait, les huiles essentielles. Vous savez, dans vie, là, le cheval de bataille de l'aromathérapie, au départ, c'était comme agent anti-infectieux. Vous pitonnez sur Google. Entre autres, vous allez sur Google Scholar, qui sont que des recherches fondamentales scientifiques. Vous pitonnez Essential Oil, et donc vous trouvez 3 millions de liens. Et la majorité des liens que vous trouvez liés à l'huile essentielle, c'est pour son côté microbicide, anti-infectieux. Hein? Ça, c'est... Donc, vous mettez des huiles essentielles en quelque part, vous savez que vous maintenez, que vous... Vous empêchez la prolifération bactérienne, que vous préservez les bactéries. Sans vouloir être, tu sais, sans vouloir généraliser, puis tout. Non, ça sert à rien. Mais c'est juste sain. Tu sais, je parlais de ta petite formule purifiante là, qu'on met, on met ça dans l'eau de vaisselle, puis on laisse les torchons dedans, puis ça enlève les bactéries. Ça sent là, tu me disais que ça détruisait un spectre de 100 bactéries. Oui, bien, dans le fond, j'ai même la recherche ici, là, je vous évite. Pour laver les jouets des enfants, là, moi, c'est ce que j'utilisais, c'est ce que je t'avais demandé pour laver les jouets, mais je lave mes planchers, c'est la même formule pour laver les planchers, les jouets, désinfecter, mettre dans le bol de toilette. En fait, c'est que c'est un mélange d'huile essentielle. Vous savez, il y a des bactéries dans l'air, puis il y a des bactéries qui se déposent sur les tables, les tapis, etc. Bon, ici, c'est des... le mélange que j'ai fait, c'est particulièrement un anti-infectieux par contact sur la table, sur les jouets, sur... Je peux le faire sentir, parce que vous disiez... Il y a des antiseptiques aériens, puis il y a des antiseptiques par contact. Et donc, il y a différents types de bactéries, donc j'ai voulu... couvrir un large spectre de bactéries, de champignons qu'on trouve sur les comptoirs de cuisine, dans les toilettes, etc., qui se déposent. Donc, sa spécialité, c'est antiseptique par contact. D'accord? Et donc, au départ, c'est ça, c'était pour... Et quand on met une goutte dans le bol de toilette, ce que tu me disais ce matin, c'est parce qu'il y a une femme qui est venue en acheter plein, puis j'ai dit pas. Moi, je suis pour la simplicité, tu sais, juste un. Ouais. Mais elle voulait en acheter 5, puis 6, puis 7. Je dis non, gardez-en un. Mais c'est parce que tu lui avais dit, elle avait des problèmes d'odeur, son eau sentait mauvais. Fait que Luc lui a dit de mettre juste une goutte dans le bol de toilette, puis là, elle est toute contente parce que ça sent bon partout. Ouais. Ce qui arrive, c'est que les odeurs nauséabondes, les odeurs de putréfaction, le pH des odeurs de ce genre d'odeur-là, c'est alcalin. Mais pas alcalin dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est pas bien d'avoir. C'est pas alcalin, c'est donc le pH est alcalin. Le pH des huiles essentielles est toujours légèrement acide. D'accord? Donc, d'où l'intérêt. Parce que les proliférations bactériennes et fongiques et les moisissures se développent sur un terrain alcalin. D'accord? Les huiles essentielles sont acides. Donc, ce qui se passe dans l'air, ce qui a dû se passer dans le cas de la dame pour les toilettes, c'est que si on avait quelque chose pour mesurer le pH, ça serait légèrement alcalin. Et donc, une neutralisation chimique dans l'air. La première fois j'ai constaté ça, un professeur d'esthétique, le chien est rentré dans sa maison, puis la femme, un petit peu snobinarde et tout, le chien qui sent la grosse moufette qui rentre dans la maison, et donc l'odeur de moufette, l'odeur est alcaline. Eh bien, simplement en nettoyant avec une eau savonneuse, avec des huiles essentielles, dans ce cas-ci, on a pris des agrumes, pamplemousse, et j'ai dit, qu'est-ce que tu as chez vous? Simplement avec du pamplemousse, eh bien, elle a neutralisé encore plus qu'avec du jus de tomate
les odeurs de mouflettes de son chien, vraiment de façon spectaculaire. Fait que toi, tu es en train de me dire, quand mes animaux vont se faire arroser par les mouflettes... Prenez les huiles essentielles. Ouais. Là, moi, ils boivent aussi dans la bol de toilette. Voilà. Si je mets ça... Là, c'est pas pareil, parce que les animaux ne réagissent pas de la même façon que les humains aux huiles essentielles. Certaines huiles essentielles sont tout à fait inoffensives pour les humains, mais elles sont très toxiques pour les animaux. Oh, ne combinez pas, n'essayez pas de combiner. Vous allez être obligé de baisser le piège. Ouais. Ouais, c'est pas toute la petite sœur, là, c'est ça qui arrive. Non, mais je voulais savoir. Non, mais il y a des parfums aussi. Ou peut-être que l'animal ne voudra pas, il ne voudra plus laver, il ne voudra plus boire son eau dans toi. Il va dire non. Juste pour revenir à la formule de est-ce que je peux la mettre, parce que j'ai commencé ça, je ne sais pas si c'est la bonne façon, mais je la mets comme dans une bouteille, puis pour la rue comptoir. C'est excellent! Mais c'est quoi le dosage? Ça, le dosage? Bon, en termes de pourcentage, je vous dirais que c'est à peu près un quart d'un pour cent. Donc, si vous avez une bouteille de 750 ml, en général, les bouteilles sont de 750 ml, 1 % c'est 7,5 ml. Est-ce que combien vous me suivez? Oui. Donc, il y a à peu près 30 gouttes par millilitre. Attends un petit peu, je vais te donner la réponse. C'est ça. Donc, 7,5 millilitres. Donc, ça fait 30 par 4. 1 % ça fait 7,5 millilitres. Un quart de 1 % c'est à peu près 2 millilitres. Est-ce que vous me suivez? Oui. 2 millilitres fois 30, ça fait 60 gouttes. Donc, vous allez mettre à peu près 60 gouttes par bouteille de push-push. Donc, ça fait combien de pipettes à peu près? Des pipettes? Ouh! Parce que normalement, les bouteilles, c'est un petit peu. C'est 60 gouttes dans une bouteille de 5. Oui, à peu près. Okay. Commencez par 50 gouttes. Si vous dites, ouais, c'est assez, parce qu'il y en a vous avez l'odorat très fin. Je l'avais. Et puis d'autres, vous allez dire, ça suffit. D'autres, vous allez dire, ouais, OK, on en met, on désinfecte. Et toi, tu mets ça dans ta bouteille de savon à vaisselle. Et donc, on met l'eau de vaisselle, on met quelques gouttes. Puis on laisse les torchons dedans, ça enlève les moisissures, les champignons. Oui, bien, dans le cas d'un savon à vaisselle, il faut en mettre jusqu'à 1 %, donc 7,5. Quel savon à vaisselle? Tout, bien, en fait, il ne sent pas, si vous préférez, tu sais, il ne sent pas, je sais pas. Non, mais ça, on est rendu, j'en prends un. Bio-vert, ça fait bio-vert aux agrumes, ça s'harmonise très bien avec le mélange purifiant. Bio-vert aux agrumes. Prenez pas celui à la pomme. Prenez pas le bio-vert à la pomme verte, ça sent moins bon. L'odeur pomme verte n'existe pas non plus. Ouais. Là, c'est curieusement, ça me déçoit de bio-vert parce qu'ils font à la pomme verte. Il n'y a pas d'huile essentielle. Il n'y a pas d'huile essentielle. Il faut rester humble. Quand ça va bien, ça gagne. Écoutez. Mais moi, c'est ce que j'aime de cette petite formule-là. On la gagne partout. L'huile à lessive, c'est un peu un luxe, là, parce que ça sent tellement bon. On faisait le savon de pays avec ça, puis j'ai fait ouh, ça sent bon. Puis moi, comme mon linge sent rien, parce que je mets pas de l'assouplissant, puis je mets un savon neutre. Fait que là, ça va être comme un. Juste délicat, puis comme tu disais, donc le savon lave, le savon que je fais du truc de Marseille râpé et tout, là, on met ça, puis ça va neutraliser les bactéries. Puis les, oui, entre autres. Les moisissures, bon, les champignons. Tu sais, c'est surtout dans les serviettes, là. On ne veut pas de champignons. Tu sais, l'espèce de moisissure qui se développe tout de suite, là. Tantôt, je vous ai parlé du point fort des huiles essentielles comme agent antimicrobien, mais il y a... Dans l'aromathérapie ou le mélanger d'huile essentielle, c'est tout un art également. Parce que un des critères que j'utilise, spécialement dans un produit qu'on utilise sur une base quotidienne, ou de la peau, du visage, ou bon, dans la vie, il faut que ça sente bon. Parce que si on a la grippe, on utilise des huiles essentielles sans médicaments, tout ça, ça passe, ça dure une semaine ou deux. Mais quand on utilise un produit qui est d'un usage prolongé, il faut que ça sente bon. Sinon, c'est un effet dissuasif à vouloir renouveler le produit. Et donc, je m'efforce dans les mélanges que je fabrique, que ça sente bon, en fond. Évidemment, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça sent bon dans la majorité. Et c'est là où l'aromathérapie devient un art. C'est d'arriver à mêler quelque chose pour qu'il y ait la vocation pour laquelle on a fabriqué le produit, qu'on arrive au résultat thérapeutique qu'on a souhaité, mais aussi que ça sente bon. Mm-hmm.